Redfield. Jill Valentine. Mary Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Non, non, c'est... Est-ce que t'es une fille cavale? Tu crois que je vais dire ça comme ça? En plus, regarde, il y a KCN qui nous... Bah, ça va, attends, on est en train de... Non, mais on va savoir. Non, mais c'est plus un secret. Je veux dire, déjà, il nous en a déjà parlé, mais bon, c'est... la confirmation, quoi. Non, mais il vous parlera jamais de ça, je peux lui faire confiance sur ça. Je t'ai pas dit, au fait, Lynn. C'est ce qu'il fait, hein, pas pendant qu'il te prend le vrai. Il imagine que c'est mon cul. Gemini, il nous a pas dit ça l'autre jour. Oui, c'est cul, j'imagine Shoda et tout. Il a dit ça ou pas? Franchement, excuse-moi, franchement. Et il dit des fois, il me dit des fois, je pense à la photo de Maïté, des trucs comme ça, parce que ça me fait un peu plus demander que... Enfin, nous, c'est ce qu'il nous a dit, après, je pense que c'est la vérité. Oh, putain, bah alors, si tu compares à Maïté, alors là, putain... Non mais nous on veut un petit peu voir quoi. Bon, vu qu'Impa il a pas l'air satisfait et que t'as pas l'air et qu'il a pas l'air de se satisfaire non plus. Je veux dire, bon, après on peut peut-être s'arranger, hein. Un service entre guildiens quoi, tu vois, c'est un peu le guild storage quoi. Enfin, ta chatte c'est un peu le guild storage. Non, bon, laisse tomber. Ah, mais non, je vous emmerde, je vais tu l'envoies, tu l'envoies chercher trois baguettes un peu. On va se retrouver un autre guild storage, merde. C'est chaud, c'est la cassette gesto. Oh les gamins, y'a plus de place dans le gesto. Mais Fifi, c'est pas une fille. Allez, occupez-vous un peu d'elle, hein. Fifi, c'est une fille, non? Fifi, c'est une fille, mais Fifi, elle parle pas, c'est pas marrant. Attends, allez où, Fifi? Fifi. L'HP. Viens voir la pinou, Fifi. Je vais te montrer mes deux queues. Bon, je vais poster le spreadsheet, comme ça ce sera fait. Je pense que c'est un mec, Fifi. Ouais, je sais pas, j'ai cru que c'était une fille, moi. Mais comment ça peut réagir, elle se doit un mec. Bah, je sais pas, tu l'as entendu. Généralement, tu sais quoi, moi, je me méfie. Moi, tant que j'ai pas entendu la voix, je commence pas à parler, parce qu'après, tu vas entendre un gros Robert. Ah, c'est moi. Tu vas te sentir tout con. Ah, putain, t'es bonne et tout, avec ton sprite. Hein. Ah, ouais, moi aussi, t'as vu, mon frère, c'est trop bien. Ouais, d'accord, ouais, ok, bon, non, laisse tomber, en fait, j'ai rien dit. Fifi, elle a la voix de Joey Star. Je parlais même pas, il a plus une voix féline que toi. Non, mais vous êtes des branleurs, des geeks qui ont besoin de fourrer. Bah, toi aussi, t'es une branleuse, hein, franchement. Bah, non. Fais-nous pas genre, hein, on sait très bien ce que tu utilises, hein. Non. Hein? Ouais, ouais. Ouais, un truc 6 cm, tu vois de quoi je parle. Ta gueule. 6 cm. Putain. Et puis comme on dit, c'est pas la taille qui compte, hein. Non, c'est la largeur, ouais, c'est bien de ça dont je parlais. C'est pas la taille qui compte, ça c'est une meuf qui a un mec qui a une petite queue, ça. Ouais. C'est pas la taille qui compte. Moi, sa bite, elle fait 2,5 cm, mais je la sens quand même parfois. T'es un vrai branleur. Quand je cherche les fils, je te jure que je la sens un peu. Hein. Je veux très bien la voix de meuf. Le clito. Oh, cher. Je vais t'élargir ton trou de balle, j'aime, avec ma bite, tu vas voir. Ce sera comme que, si... Pour élargir, ça va être dur, hein, il est déjà bien d'habile. Elle ressemble, tu sais, genre... quand elle se fait enculer, c'est un peu comme quand elle a la diarrhée, tu sais... Elle sent rien. C'est dégueulasse que vous dites. Ah putain, Putain, t'es dégueulasse, Lynn, de faire des trucs comme ça. Putain, t'es une grosse scato, berg. Prends toujours, c'est toujours moi qui prends, j'adore. Bah ouais, on sait que t'adores prendre. Tu demandes que ça. Oh putain. Pas un parking non plus, hein. Non, non, juste un garage à bite, c'est tout. Ça a rien à voir. Et hop, il en remet une couche. Tu parles comme ça de ta copine? Non, non, quand même. C'est pour ça qu'il y en a pas. Ouais, je vais me marier bientôt, alors tu sais. En plus, on a entendu qu'elle se mettait.
Tu parles comme ça et tu vas te marier. Putain, je vais mais rapporter ouais. tout ce que tu dis à ta comme femme, quoi. Enfin, ta future femme, et tu verras. Mais ça faisait longtemps que t'avais envie de te suicider, Jem. Non, non, pas du tout, mais je sais très bien qu'on est record, je m'en tape. Bon, là... Je... Non, mais c'est pas ça, mais pour se marier, pour avoir les envies suicidaires, quand même. Oh, ouais. Quel plaisir. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Jem? Il recorde les autres, mais il ouvre 3 ans. 3 ans? Lui dis pas ça, dis-lui plutôt 6-7 ans, ça va lui donner des idées sinon. Quel bon branleur, je chante Chanel parce que là je suis en train de craquer, je vais aller me branler. Non, je reviens. Quoi, tu vas te marier avec Nico? Bon, là je pense à ta voix, là je suis en train d'imaginer des petits films et tout. Avec en face, le regard, tout ça et tout. Branleur. Attends, et pile quand je craque. Mais moi je vais aller loin, putain, je vais t'aimer, tu vois, un pas il drop une GTB car tu vois, pile quand je crache, boum, clac. ça me fait kiffer. Quel branleur. C'est un fantasme. Quel mousse garçon. Allez, bisous.